T'as bien dormi? J'ai encore fait le même rêve. Avec tes parents? Ouais. Alors, ton bras? Un peu raide, mais ça va. Et ton dos? Ça va. Tu peux explorer si tu veux. Mais moi, j'y retourne pas. Je vais t'attendre ici. Je crois qu'on va trouver quoi à Koulakia? De l'eau courante, ce serait bien. Déjà, il n'y a pas de jaguar, ce sera une victoire. Il y a une route. Allons voir ça. Qu'est-ce qui se passe? Merde, le trinitaire, planque-toi. Merde. C'est coincé. Je vois ça. On va régler ce problème. Reste derrière moi. Je le sache. Qu'est-ce que tu fais? Recule, cache-toi. Quoi, l'expert en logistique, non? C'est par moi que je me suis engagé sur un truc. Oui. Oh, il faut donc. On l'occupe. Pas besoin, c'est des alliés. Et reste vigilant. Je devrais jeter un œil. Je m'en charge. Oh, là, plus personne puisse passer. Je veux que toute la zone soit bouclée. Oui, chef. Il y a quelque chose. On finira par le trouver. Ça remonte à temps. Laisse pas distraire, Mendez. Qu'est-ce qu'on cherche? Tout ce qui bouge, mais aussi tout ce qui bouge pas. Il faut toujours pas trouver cette route. Je te sais pas. Tu serais mort surtout. Tu pars d'une chance. Tu préfères rester là à surveiller la zone. Taisez-vous, cherchez, messieurs. Bougez-vous un peu le cul. Oui, chef. Faut qu'on se cache là-dessous. Ouais. Le temps principal, on connaît. Là, ce qu'on fait, c'est des ruines. Attends. On aurait pu louper avant. C'est bon. Je vois pas comment on peut faire. J'ai peur qu'on le perde si on bouge. On va devoir renforcer le truc. Pourquoi t'as pas fait un test? Ah, je suis à peu près sûr qu'on a testé le pont en premier. J'en merde. C'est pas de ma faute, tout ça. Peut-être tirer dessus avec le camion. Ok, peut-être. Laisse-moi réfléchir. On peut se les faire. Ok. À gauche, je vais m'occuper d'eux. Mais c'est quoi? Plante-toi. Ben, Samy. Ah, c'est type. Je l'aurais dit. C'est pas. Non, mais plus. Ben, Ben.
Très fort de pas penser à mon dos. Allez, on avance. De ce que pourraient être les jumelles de la mine. Ça peut être plein de choses. De monuments, ou des montagnes, des rivières. J'imagine qu'on saura quand on verra. Ouais. Je vois des gens plus bas. J'espère qu'ils sont sympas. Je vais te laisser faire la causette. Bonjour. Vous connaissez un endroit pas loin où on peut passer la nuit? Comment vous avez atterri jusqu'ici? Vous avez perdu votre groupe de touristes? Non, non. D'autres gens sont passés avant vous. Ils cherchaient des artefacts. C'est vos amis? Les Trinitaires. Absolument pas. Je ferai volontiers une pause. Suivez-moi. Je suis vraiment désolée de poser autant de questions, mais le seul hôtel de la ville, c'est chez moi. On n'est jamais trop prudent. Au fait, moi, c'est Jonah. Abby. Lara. Je vous en prie, asseyez-vous. Carlos, trois. Et donc, vous êtes là pour quoi, exactement? Bah, on suivait une énigme quand notre avion s'est crashé. Ouais. Et vous vous en êtes sorti sans une égratignure? Oh, il faut dire, on volait assez bas. On est à la recherche de ruines Maya, en fait. Maya? Mais vous savez que vous êtes au Pérou, là. Oui. Ouais, longue histoire. Ah. Merci. Mais... vous avez pas franchement une tête d'archéologue? Non, c'est elle l'archéologue, moi, je fais la popote. Vraiment? Ouais. Vous avez déjà essayé le ceviche local? C'est notre spécialité. Faudrait trouver du poisson dans la jungle. Vous avez raté notre célèbre arbre à poisson. C'est où cette photo? Au Mexique. Pourquoi? Je crois que j'ai déjà vu ce symbole. Où ça? Il y a des ruines pas loin, et un petit rocher où on peut voir un truc qui ressemble à ça. Ça vous ennuie si je jette un coup d'œil? Non, je vous en prie. Mais je vous garantis que c'est pas du Maya. Mon peuple descend des Incas, et en est fier. Oh, et si tu te reposais un peu? T'es sûr? Je t'ai promis un jour de repos.
Je vais pas cracher dessus. Amusez-vous. Toi aussi. Vous voulez qu'on fasse affaire? Oh. Ah, bonjour. Vous êtes avec l'équipe d'excavation? Non, je ne fais que passer. Ok. S'il vous faut quelque chose, le marché est en plein centre-ville. Vous pouvez faire le plein avant de repartir. Merci. Je vous en prie. Ça fait 2 ans que j'essaie de trouver le courage de l'inviter. Et quand enfin je l'ai... Hey, si vous avez besoin d'un guide dans Kuwakiaku, je suis là. Vous êtes le guide touristique ? Je sais où aller. Et surtout, qui éviter. Je vois. C'est peut-être bête après. Je comprends pas comment ils peuvent cancaner comme ça, avec tout ce qu'on a perdu. Je suis désolée. Mais, vous n'êtes pas mariée là ? Vous avez de la marchandise à échanger ? Bonjour. Me dites rien, Omar vous envoie me menacer ? Hors de question que je donne quoi que ce soit à ce connard. De quoi est-ce que vous parlez ? De quoi je... Ah, désolé. J'ai vu l'arme et le couteau et j'ai cru que... Oubliez ça. Vous cherchez quelque chose de précis ou vous regardez juste ? Vous vendez quoi ? Ce que je vends. Vous êtes à Kuwakiaku, l'un des plus grands sites archéologiques d'Amérique du Sud. Enfin, sur le papier, en théorie. Si il n'y avait pas les pillards. Exactement. Omar et ses bandits aiment l'argent, pas l'histoire. J'ai des objets d'une grande importance culturelle à vendre. Ils sont abîmés, mais méritent d'être restaurés. Je vais vous montrer ce que je propose. Jonah, j'ai trouvé des ruines Inca, mais les fondations du temple ont l'air plus anciennes. Oui. Abby se rappelle où elle a vu ce symbole. C'est quelque part à l'intérieur du temple. Super. Dis-lui merci de ma part. Je t'entends. Tu peux me remercier en cas... J'arrive tout de suite, Lara. Hey. Ça semblait plus grand vu de l'extérieur. Qu'est-ce que t'as fait ? Jonah, regarde. Ishel et Shakshel. Les jumelles se retrouvent. Qu'est-ce que c'est ? Lara ! Quoi ? Abby a dit qu'on ne devait rien casser. Je casse rien du tout. Je restaure l'original. Quelqu'un a tenté de le dissimuler. Les jumelles se retrouvent avant de suivre la voie des vivants. Quelqu'un y a touché. Comme cette chose au Mexique. Ça doit conduire au temple de la vie. Vas-y, je reste ici. Je trouverai peut-être quelque chose. Bonne idée. J'ai trouvé un temple. C'est pas vrai. Les Trinitaires sont déjà là. Ils essayent d'entrer à l'explosif. Je vais essayer de les suivre. Thank you.
Avant-poste, quel est votre statut? Opération loup solitaire en cours. Camion en route. Pourquoi on s'affole, Dako? Docteur Dominguez, plutôt Pérou. Suffisant comme raison. D'accord, commandant. Désolé, chef. Les drones étaient super lourds, bizarrement. Ou pas, le bateau allait ok. Content de vous voir. Pas un problème. Le générateur encore ? Très bon. Il y a une base des Trinitaires ici. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Je t'avais pourtant dit de rien casser. Abby, je vais t'expliquer. Je te rappelle plus tard, Lara. Surtout, reste prudente. Tu sais pourquoi on verrouille tout comme ça? Parce que le commandant Rourke veut qu'on boucle le périmètre. Personne entre, personne sort. J'avais compris, du coup. Je demande pourquoi. C'est trop classifié pour moi. Quand les éclaireurs seront là, ils pourront peut-être nous dire quelque chose. En venir, ici le commandant Rourke. Vous avez bouclé la zone? C'est presque fait. Tous les points d'accès sont couverts. La plupart des barricades sont en place. Presque, c'est pas assez. Dépêchez-vous de sécuriser le périmètre. Je veux que rien ne puisse passer. Compris, chef. Si je puis me permettre, chef... Qu'est-ce qui se passe? Les éclaireurs sont en route. Rourke, terminé. Ils sont descendus à combien? Rourke a été clair. Pas de recherche tant que les éclaireurs ne seront pas là. Mais ça fait presque une heure qu'on a plus de nouvelles. Le commandant abandonnerait pas ces hommes. S'il veut qu'on a... J'en ai ras le cul de couvrir ces bons à rien. Beaucoup trop de structures ici. On voit que dalle. Le périmètre est verrouillé.
On n'a plus qu'à attendre l'équipe de reconnaissance. Tu trouves pas ça un peu bizarre, toi? Il s'est passé un truc sous terre, mais on se retranche pour combattre une menace ici. Ça a l'air assez classique. Ils ont eu un problème, ça peut être absolument n'importe quoi. Mais bon, on tient quand même le temps. Ouais, je sais pas. J'ai quand même l'impression qu'on est passé d'une alerte orange en zone connue à une alerte rouge partout. On s'excite pour rien depuis cette horrible tempête. Tu crois qu'il s'est passé quoi ici? On sécurise la zone. Quelqu'un a l'air d'avoir cru à une attaque. Par quoi? Un effondrement. Y'a rien du tout là. Ils sont trop loin, y'a plein de raisons pour qu'on ait perdu le contact. On cherchait quelque chose. Ils l'ont peut-être trouvé, mais c'était pas ce qu'on pensait. Laissez faire les éclaireurs. Génial. Jonah, le commandant Rourke est ici, au Pérou. Il a demandé au Trinitaire de surveiller un site de fouille sous un vieux puits de pétrole. Tu vas aller jeter un coup d'œil? Oui, je vais voir ce qu'ils ont trouvé. Rourke était à cause du même quand Dominguez a pris la dague. Ils ont dû découvrir comment accéder à la cité perdue. C'est une vraie boucherie ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Jonah, je suis à l'intérieur du temple. Je crois qu'on a aussi trouvé un truc. Des chiffres. Je vais essayer de nettoyer ça. Salut Abby, j'ai trouvé une fresque. On dirait que ça représente une sorte de voyage. Entrer dans la gueule du jaguar et suivre un serpent vers un œil d'argent. Et puis on voit aussi une araignée et un aigle qui s'envole vers un temple. Ok, je sais pas pour le reste, mais la gueule du jaguar, c'est par ici. Vraiment? Ouais, une sculpture de chat avec de grandes dents. Ah! Voilà, Jonah. Lara, est-ce que ça va? Oui, je ressors, là. Parfait. Je crois que tu vas aimer ce qu'on a ici.
fais pas ça. Désolé. Qui d'autre s'en est tiré? Ça, j'en sais rien. QG. Ici l'équipe au micro. On est attaqué. QG, répondez. De nouveau. Silence. Faut que je me concentre. Ces cadavres, les victimes des créatures. Mais pourquoi? Jonah, Abby. Oui, Lara, je t'écoute. J'ai vu quelque chose. Les Trinitaires sont pourchassés par des sortes de créatures bizarres. Quoi? Elles sifflent comme des serpents et vont très vite. Lara, on dirait la légende de Pishtako. Tu nous fais marcher? Non, je sais ce que j'ai vu. Tu vas bien? Oui, je rentre là. Jonah? Viens en bas. Hé. T'es déjà allé là-dedans? Non, on t'attendait. Qu'est-ce qu'on va trouver, à ton avis? La fresque montrait une série d'épreuves. Je connais peut-être un autre passage. Ok, je passe devant, on se retrouve de l'autre côté.
J'ai débouché dans une sorte de caverne. Il y a des signes de passage ici. Incroyable. Jonah. Tu es l'épreuve d'après, l'aigle. Je crois que ça a un rapport avec le vent. Je vais toujours vers l'ouest. Ça descend, là. Il y a une rivière souterraine. Jonah, j'ai réussi l'épreuve de l'aigle. Je dois plus être très loin de la cité perdue. C'est bien un cas, oui, mais ça a l'air plus récent que la pierre en dessous. Ce serait un ajout ? Jonah, la vue est fantastique ici. La cité perdue doit être tout près. Lara, j'ai réussi. Je te rejoins bientôt. Jonah ? Rester là.
c'était chaud. Ok, alors. Jonah, je crois que je l'ai trouvé, la cité perdue. Je pars à la recherche du serpent avec un œil d'argent. Je sais que ça fait mal, mais... Malfoutul ! Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais là? Je fais des recherches. Lara Croft. Ils vont revenir. Nous devons nous cacher. Emmenez-la. Tu n'es pas seulement mon fils, tu es mon héritier. Tu n'as pas le droit de te mettre en danger. Sans ton imprudence, cette femme serait-elle ici? Mais tu es sain et sauf. Tu n'es pas du culte, comment nous as-tu trouvés? J'ai trouvé une carte dans un temple. Je m'attendais à des ruines, pas des gens, ni rien de tout ça. Le culte, pourquoi s'en prendre à votre fils? Je reconnais cet emblème, c'est celui des Trinitaires, j'essaie de les arrêter. Tu sais ce qu'ils cherchent à faire? Ils veulent trouver un artefact. C'est une sorte de boîte liée à la déesse de la Lune. Qu'est-ce que tu vas faire? La voler? La vendre? Non. Je dois empêcher les Trinitaires, le culte, de s'en emparer. Ils sont trop dangereux. Pourquoi? Pourquoi tu les détestes? Ils ont tué mon père. Est-ce que je peux vous montrer ceci? Vous savez ce que c'est? C'est Paititi.
Et tu y es. Paititi, la cité perdue. Et cet œil, alors? C'est un lieu de mort et de sacrifice. Tu penses que ton artefact est là? Oui. Personne n'en est jamais revenu. Je veux bien essayer. Tu prendrais ce risque pour arrêter le culte? Oui. Amenez-le. Jonah. Est-ce que ça va? Tu connais cet homme? C'est mon ami. Et Abby? Ça va. Qui d'autre te cherche? Personne d'autre. Je crois que nous cherchons la même chose. Nous t'amènerons au serpent à l'œil d'argent, mais ton ami reste ici. Tu n'iras pas bien loin si tu nous mens. Et lui, il regrettera. C'est vraiment pas nécessaire. Ça va aller. Je t'attends. Etsli, donne des habits à cette femme. Ushu, tiens-lui compagnie. Je fais aussi vite que possible. Ok. C'est très beau ici. Silence.